les étudiants dans la licence fondamentale en sculpture ou dans tout autre type de licence fondamentale dans notre institut des beaux-arts doivent passer par un semestre de tronc commun. Dans ce semestre, la formation comporte des volets importants, indispensables pour former le profil qu'on essaie de chercher par rapport à nos étudiants. Une formation qui comporte différents ateliers et différents cours de théorique. Par rapport aux ateliers, je peux citer l'atelier de couleur, par exemple, l'atelier de forme et structure, de moulage, pour permettre à nos étudiants de toucher et d'avoir une première rencontre avec des connaissances théoriques et techniques dans la matière de la pratique plastique. السنة الثانية يكون التركيز أكثر على التقنيات بالنسبة للسداسي الأول من السنة الثانية والسداسي الثاني من السنة الثانية التقنيات وعلى مستوى التواجدات العامة للاختصاص والأنماط النحتية يعني الطالب يبدأ يستكشف شوية في برنامج معين تقريبا التقنيات اللازمة لمادة النحت. في مستوى السنة الثالثة طبيعي كأي اختصاص في الإجازة الأساسية هناك مشروع تطبيقي وتقرير للبحث مشروع تطبيقي أو نص يعكس تجربة الطالب في مستوى السنة الثالثة بدرجة أولى وأيضا بما تلقاه من خلال السنة الثانية والسنة الأولى يعود به الأمر إلى أجهزة مشاركة من المواد النظرية والمواد التطبيقية الأخرى تتقاطع في تكوين الطالب على مستوى الاختصاص. La licence fondamentale permet à nos étudiants de faire un processus universitaire de recherche, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent accéder à un master de recherche et par la suite ils peuvent finir leurs études et faire leur doctorat, licence, master, doctorat. La spécialité sculpture nous permet la formation d'un étudiant polyvalent là où il y a la couleur, là où il y a la composition, là où il y a la création tridimensionnelle. Nos étudiants peuvent être fiables et garantir un bon résultat.